Eh bien, salut à tous les amis, c'est Virtueux, j'espère vraiment que vous pétez la forme. Écoutez, aujourd'hui, on est sur GTA V et je suis pas là pour vous proposer un test puisqu'il ne devait pas vraiment y avoir de vidéo aujourd'hui puisque j'étais plus concentré sur la mise à jour de Fortnite. Mais là, je suis obligé de faire passer GTA V avant Fortnite puisque c'est quand même la base de ma chaîne. Et du coup, je vous annonce officiellement que les braquages numéro 2 arrivent la semaine prochaine. Mardi 12 décembre, les braquages débarquent sur GTA Online, les braquages numéro 2. Je vous en dirai plus dans de prochaines vidéos. On va analyser le trailer en entier. Je mettrai le trailer dans la description. Mais je peux vous dire qu'il y a du lourd. Sous-marin, tank, jetpack, nouvel avion, nouvel hélicoptère, nouvel endroit, nouveau personnage. Enfin bref, tout un tas de choses et ça fait vraiment plaisir. Il y aura même la voiture de retour vers le futur, on va pouvoir voler. Enfin bref, ça commence à partir en couille mais c'est ça qu'on aime bien sur GTA Online. Du coup, je me retrouve tout à l'heure pour l'analyse officielle de ce trailer. On va essayer de voir un petit peu tout ce que Rockstar ont pu nous donner comme information dans le trailer. Et il y en a vraiment beaucoup entre tous les nouveaux véhicules et les nouvelles armes et compagnie. Enfin bref, ça va envoyer du lourd. Voilà, je voulais juste vous annoncer ça rapidement comme ça sur le tas parce que je viens juste de voir le trailer et je l'ai même encore sous les yeux. Je voulais faire ça à chaud. Donc je vous retrouve tout à l'heure pour l'analyse de ce trailer et des informations vis-à-vis de ce DLC qui s'appellera le braquage du jugement dernier ou The Doomsday Heist, qui arrivera mardi prochain, le 12 décembre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de lâcher un maximum de pouces bleus si vous avez la hype de voir les braquages 2 débarquer sur GTA 5. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure. C'était Virtuose et moi je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.